Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Fleur Vesco. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette librairie Chante Livre. Quelques mots pour vous présenter. Fleur Vesco, à une lettre près, on ne va pas chipoter, vous seriez la descendante de Vasco de Gama. Oui. Ce grand navigateur portugais dont vous avez hérité le goût pour l'aventure, bien sûr, mais aussi le goût pour les épices et notamment le curcuma. Ah bon ? Absolument. J'ai lu que vous étiez absolument passionné par le curcuma. Alors, ça n'apparaît pas forcément de manière très visible dans votre travail d'écrivain, mais les épices sont là et les romans sont quand même très, très épicés pour la plupart. Après plusieurs tours du monde en bateau pirate, vous avez choisi de vous poser à Montreuil et vous êtes monté un temps à bord du grand navire de l'éducation nationale avant de céder aux sirènes de la littérature, et ça pour le plus grand bonheur de vos lecteurs. Votre premier roman frappe juste et fort. Avec les mots « vous êtes cap », ça, tout le monde est d'accord. Rien ne vous fait peur, ni les loups-garous, ni Louis Pasteur, ni Gustave Eiffel et les âmes de fer, encore moins 226 bébés, avec Didier, roulez jeunesse. Retour à l'école, mais celle des loisirs cette fois, pour nous enchanter avec l'étrange malaventure de Mirella, dont je tiens la version poche. Pour nous raconter cette étrange malaventure, vous apprenez la langue du Moyen-Âge, vous nous contez ses cheveux de feu, les lépreux, une ville infestée de rats, tiens, tiens, et Pan, c'est pas du pipeau. Vous remportez le prix Vendredi, le prix Imaginal et le prix Sorcière, et ça, c'est pas pour vous déplaire. Vous revoilà en ces temps printaniers avec un roman qui m'a subjuguée, d'or et d'oreiller. Votre plume s'est envolée pour nous rapporter cette histoire délicate qui a été construite dans un subtil tissage de contes revisités et de personnages inventés. Grande lectrice, j'aimerais vous entendre, Flore, commencer par nous raconter dans quelle source d'inspiration vous avez plongé les mains, quels sont les textes qui vous ont construite, qui vous ont inspirée pour composer D'or et d'oreiller. Alors, pour D'or et d'oreiller, je suis partie du conte. J'aime beaucoup les contes. Je l'avais déjà fait, effectivement, pour Mirella. Ce qui me plaît dans les contes, c'est que c'est vraiment une culture partagée. J'ai plus l'âge de mes lecteurs, mais on a vraiment de ces références communes. Et c'est intéressant, ce pont qui est possible de faire entre les adultes et les plus jeunes. On nous parle toujours ce double lectorat pour l'album, par exemple, mais en fait, il est vrai aussi pour le roman ado, je trouve. J'ai vraiment le sentiment d'être lu aussi bien par des adultes que par des jeunes. Et donc le conte, pour ça, c'est très bien. Et l'autre chose qui me plaît beaucoup, beaucoup dans le conte, c'est que c'est une histoire qui a l'air très simple, mais qui, en fait, recèle plein de choses. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Et le conte de la princesse au petit pois, qui inspire ce récit, il est particulièrement plein de latence. Il y a ce lit comme objet de la quête amoureuse, ce qui est quand même merveilleux. Il y a cette hyperbole de l'extrême sensibilité féminine qui est aussi très intéressante à travailler. Donc le point de départ, vraiment, je pense que c'était ça. C'était la princesse au petit pois. Ouais. On a une illustration d'Edmond Dulac qui nous montre les nombreux dessins, évidemment, qui ont été produits pour illustrer ce conte très marquant. C'est un conte de la délicatesse. Et vous en avez trouvé d'autres, des contes de la délicatesse, et notamment ces contes du vampire. Parlez-nous de ces versions orientales, de ces versions différentes de ce petit pois, de cette princesse petit pois. J'aime beaucoup ça. C'est le merveilleux indien qui est complètement différent de notre merveilleux occidental. Donc on pense que s'inspire le conte d'Andersen, la princesse au petit pois. Donc dans les contes du vampire, il y a deux histoires avec... Donc ce qui est bien aussi, c'est que c'est trois hommes ou trois femmes. Enfin, les deux peuvent être très sensibles, les hommes comme les femmes. Il y a trois femmes d'un roi. La première, un pétale, lui tombe sur la cuisse et elle se retrouve avec un hématome et elle hurle de douleur. La deuxième se réveille au milieu de la nuit et est brûlée par un rayon de lune. Et la troisième... entend au loin du riz qui est pilonné et ça lui fait très 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 mal aux oreilles. Donc je trouve ça assez fascinant. Et on a la même chose avec trois hommes, trois frères qui sont capables de sentir des choses incroyables. Et le dernier, c'est le plus connu, dort sur sept matelas et se réveille avec dans le dos une longue traie rouge comme s'il avait été fouetté. Et on s'aperçoit que sous le septième matelas, on avait oublié un cheveu. Oui,
C'est ça, donc. Et j'adore ça, c'est génial ce genre d'histoire, c'est totalement incroyable. Est-ce que le fait que cette même histoire de la délicatesse se retrouve déclinée à travers le monde dans différentes versions, est-ce que ça vous a donné de la solidité, de la légitimité pour vous dire, puisque tellement l'ont fait avant moi, moi j'ai le droit aussi de m'en emparer et de faire mon propre conte de la princesse au petit pois? Ou est-ce qu'au contraire, c'était impressionnant? Non, j'ai pas trop ce problème de légitimité. En général, au contraire, j'essaie de faire tomber pas mal de barrières si je peux. Comme tu disais au début, je me suis permis de faire affronter des loups-garous à Louis Pasteur. Donc, ça, c'est pas trop un souci si j'ai envie de faire quelque chose et de reprendre même quelque chose de très classique et le retravailler à ma sauce, j'y vais, sans hésitation. Par contre, c'était intéressant, cette déclinaison de la sensibilité, parce que c'est un thème pas beaucoup abordé, pas forcément un sujet des contes, ou au contraire, dans les contes, les jeunes filles, elles se coupent le talon, elles sentent rien, elles y vont. Enfin, voilà, on n'est pas dans le ressenti, dans le physique et dans la sensation. Oui, on est plutôt dans la force, dans la puissance, dans l'exploit. Et puis, oui, c'est ça. Pour les garçons et puis pour les filles, surtout, elles, on ne sait pas ce qu'elles ressentent. Du coup, c'était un thème intéressant et peu exploité dans les contes, et du coup, intéressant à enfin mettre au jour dans un roman. Alors, on l'a dit, La princesse au petit pois, c'était votre première source d'inspiration. C'est un conte d'Andersen. Donc, Andersen, c'est le Danemark. Ouais. Il y a ces contes orientaux qui ont nourri aussi votre travail préparatoire. Et puis, vous décidez de transposer votre histoire plutôt dans le sud de l'Angleterre, à Greenhead. Est-ce que ça, c'était une autre dimension, une autre référence que vous convoquiez par ce point-là? Oui, alors j'aime bien faire des choses composites. Donc si je réécris le conte, il faut qu'il y ait d'autres cadres d'un autre genre ou d'un autre style. Je fais toujours des choses un peu comme ça, mélangées. Et donc après, je m'étais dit, ça va être une histoire d'amour. Et une de mes références pour les histoires d'amour, c'est Jane Austen. Et c'est une belle référence, c'est quelque chose on peut viser haut. Et donc du coup, l'Angleterre, c'était pour ça. C'était pour donner une espèce de ton ou des petits clins d'œil à un esprit à la Jane Austen. Un esthétique aussi, une esthétique. Une esthétique. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est que c'est difficile de raconter une histoire d'amour. Jusqu'à présent, j'ai plutôt fait des récits d'action et d'aventure. Et chez Jane Austen, la relation amoureuse, elle est très basée sur aussi un cadre social et même mercantile. Enfin, combien gagne chacun et à quelle position sociale se trouve chacun est une vraie composante à prendre en compte. Et pas seulement, est-ce qu'on se plaît? Et ça, c'est intéressant parce que c'est un bon moteur narratif. L'héroïne qui est plus bas, l'héroïne qui est en situation financière beaucoup plus difficile, qui du coup se dit, est-ce que ça serait pas intéressant d'épouser quelqu'un de riche, même si je l'aime pas, parce que ça m'évite d'être servante toute ma vie. Donc voilà, Jane Austen apportait aussi ces rapports de force-là. Oui, et de classe sociale et de place dans la société. Ça se passe à Greenhead. Greenhead, c'est la tête verte, c'est les petits pois qui ont la tête verte. Est-ce que c'était pour ça? J'avais pas fait attention. Je sais plus pourquoi j'ai choisi Greenhead. Je me rappelle très bien avoir regardé une carte, m'être dit je veux être presque au nord de l'Angleterre, presque en Écosse, pour des raisons purement climatiques. Il fallait qu'il y ait des orages et qu'il fasse de la moche, pluie et de la tempête. De la pluie, de la tempête, tout ça. Et en fait, il y a un château hanté quelque part, dans le coin, avec une légende d'une femme, femme blanche ou quelque chose comme ça, d'où Greenhead, mais j'avais pas du tout pensé. Ah là, c'est fou, j'adore. Au petit pois, mais forcément, en fait, il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose, à votre insu. Sans que On a montré l'illustration d'Edmond Dulac en ouverture. C'est l'occasion d'aborder cette splendide couverture d'or et d'oreiller. Qui a été réalisée par Maïalène Goust, qui est sublime, une couverture à la fois douillette, sensuelle et inquiétante. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez découverte? Oui, c'est exactement ça. Ça marche très, 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 très bien. Donc moi, je suis absolument pas responsable de cette belle couverture. Vous l'avez inspirée quand même. Oui, d'accord, mais c'est pas moi qui ai choisi que ce soit. Mais elle fonctionne très, très bien. Effectivement, tout est dit. On voit d'abord la jeune fille qui dort et ses oreillers, et cette chambre luxueuse. Et puis il y a cette présence qui est une présence et qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est forcément toujours un peu inquiétant quand on ne sait pas. Mais en même temps, la position est assez réconfortante et bienveillante.
les deux mains, il y en a une posée sous son épaule et une sous sa joue pour qu'elle puisse s'appuyer dessus. Donc, vous parlez donc de la chevelure, très bien. C'est quand même une image qu'on lit en deux temps. Vous évoquez cette chevelure noire. Moi, quand je l'ai regardée la première fois, je n'ai vu que les cheveux de la jeune fille. Ouais. Et quand on s'approche, effectivement, cette chevelure est aussi une ombre. C'est ça. Un peu inquiétante, en tout cas mystérieuse, on n'en dira pas plus. Ou un peu bienveillante. Mais aussi pas. Un peu bienveillante. En tout cas, elle est là, elle l'enveloppe de différentes manières. On va parler du titre, parce que c'est quand même une étape importante quand on compose un roman. Souvent, le titre demande une réflexion particulière. D'or et d'oreiller, on entend deux fois d'or. Pour un livre, un roman qui parle de coussins et de matelas, c'est quand même très astucieux, cette allitération. Et d'argent. Ces deux sons. Et d'argent, bien sûr. Mais il y a aussi le d'or de dormir. Et d'argent, bien sûr, et d'or. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, ce titre? Est-ce qu'il s'est imposé rapidement? Est-ce qu'il a fallu... est-ce que vous avez hésité entre différentes versions? Alors, il s'est pas du tout imposé rapidement, bien au contraire. D'abord, je l'ai écrit sans titre, l'histoire, ce qui est rare. D'habitude, on a un titre de travail ou un titre temporaire, et là, vraiment, il s'est appelé manuscrit. Je pense que je l'ai envoyé à Véronique Girard en lui disant, en première page, là, va falloir trouver un titre. Mm-hmm. Enfin, vraiment, il n'y avait rien. Et après, on a cherché ensemble longtemps. Alors moi, dans un premier temps, j'ai cherché des choses qui existaient déjà. D'abord, j'ai voulu l'appeler « Dans de beaux draps ». Je trouvais que ça marchait très bien aussi, qu'il y avait l'idée des beaux draps, etc. Mais c'est déjà le titre d'un roman jeunesse. Ouais. Ensuite, j'ai pensé à « Les nuits d'or », c'est une marque de matelas. « Les nuits douces », c'est une marque de tisane. Là, y avait un tout roman, était déjà pris. Tout était déjà pris. À ce stade, comme il y avait cet esprit de Jane Austen dont on a déjà parlé, je me suis dit je vais chercher un titre qui parodie un peu Jane Austen, et en partant de raison et sentiment, j'étais arrivée à maison et sentiment, puis après frisson et sentiment, que je trouvais très bien, jusqu'à ce que Vincent Mondiaux, qui écrit aussi, m'appelle en me disant « Tu visualises une couverture à l'arlequin, du rose, un type torse nu, une fille, et frisson et sentiment ». Et là, je me suis dit, les références vont être... on n'est pas passé loin du truc terrible. Donc, on a viré frissons et sentiments. Et comme ça, voilà, de tâtonnement en tâtonnement, on est arrivé... à un moment, ça a failli s'appeler « Bras de fer et drap de soie », qui était aussi très beau. C'était un titre proposé par Véronique Girard, mais je trouvais un peu dur à prononcer. Et puis, voilà, à force de chercher comme ça... c'est comme ça qu'on a fini par arriver à d'or et d'oreiller. Mais on n'est pas passé loin du risque de la marque de matelas ou Harlequin. C'est ça, entre les deux. Ça s'est terminé comme ça, et c'est aussi sur ces mots et sur ces sons que se termine le roman, on n'en dira pas plus. Que j'ai rajouté après, du coup. C'est ça, vous avez ajusté votre fin à l'ouverture. À l'ouverture du roman, justement, on est dans une ambiance très anglaise, on l'a dit au départ. On rencontre Mrs. Watkins et ses trois filles, Margaret, Maria et May. On a envie de les prononcer avec à l'anglaise. On a envie. Bravo, bravo. Ces trois filles-là, qu'elle a très envie de marier à un bon parti. Or, et ça, c'est la petite voisine Miss Barrett qui arrive, il se trouve que Lord Anderson, le voisin, riche héritier, cherche une épouse. Elle se précipite donc au château de Plankinsop, pour passer le test de la chambre mystérieuse dans laquelle trône un lit vertigineux et une pile de matelas. Elles ne partent pas seules, toutes les quatre. Elles emmènent avec elles Sadima, la femme de chambre, qui est bien sûr, comme toute femme de chambre, en retrait, mais qui ne va pas le rester très très longtemps, qui va devenir assez rapidement l'héroïne fougueuse et pleine d'audace de ce roman. Un petit moment sur une petite précision sur le choix des prénoms, c'est là aussi une étape importante. Margaret, Maria, May, Lord Anderson, Sadima... peut-être qu'on peut se concentrer sur ceux-là, les principaux personnages. Comment est-ce que vous les avez choisis? Alors, j'ai toujours une espèce de logique interne. Donc, tu l'as très bien présenté, Margaret, Maria et May, finalement, on pense que ce sont les héroïnes, mais non. Du coup, elles forment un tout, elles sont toujours à trois, et elles ne sont pas très importantes. Et moi, personnellement, quand il y a beaucoup de personnages avec plein de noms différents, je les mélange. Donc, j'aime bien avoir un truc simple. Mm-hmm. Donc, elles ont un prénom qui est le même prénom de plus en plus court. Ça permet de les englober tout le temps ensemble, et puis c'est des prénoms un peu à consonance anglaise. Donc, et vous écrivez que s'il y avait eu une quatrième sœur, elle se serait appelée Ma ou M. Voilà, mais si on avait continué. Mais heureusement, il n'y a pas eu de quatrième sœur. Il n'y a pas eu de quatrième. Donc voilà pour les jeunes filles. Lord Anderson, c'est un petit clin d'œil à Andersen. Et Sadima, c'est pas un prénom très courant. Non, Sadima, c'est pas un prénom très courant. Alors je spoil un peu si j'explique, donc je ne vais pas expliquer, mais Sadima est une anagramme. Une anagramme, un palindrome,
On a dit ça, un palindrome, ça se lit. Un palindrome, ça se lit dans les deux sens. L'anagramme, on mélange les lettres et ça forme un autre mot. Donc, ce n'est pas un anagramme, c'est un palindrome. Mm-hmm. Et d'où son prénom, en fait. D'accord. Voilà. Donc, c'était pour le côté réversible qu'il était intéressant. Voilà. Sadima, ça dit aussi Sadima, qui serait la quatrième personne. Si la quatrième sœur avait été là, il y aurait eu Ma. Sadima, c'est quand même la quatrième personne. Sadima, elle est née d'un père égyptien. Elle est aussi brune et hâlée que les sœurs Watkins, ouais. Ce sont blondes et pâles. Et c'est le visage de Teda Barra, ouais. Qui est une actrice du cinéma muet, qui vous a inspiré le personnage de Sadima en partie, j'imagine, puisqu'elle est nourrie d'autres choses. Comment est-ce que vous parleriez de Sadima? Comment est-ce que vous la présenteriez, Sadima? Alors, Sadima, c'est vrai que l'image de Teda Barra, en fait, ne m'a pas inspiré. L'image de Teda Barra, elle m'aide dans support visuel. Moi, j'ai tendance à construire les personnages à partir de leurs actions ou de thématiques aussi. Des fois, ils sont là pour illustrer telle ou telle idée que je voudrais développer dans le roman. Et du coup, en fonctionnant comme ça, souvent, je ne les vois pas. Je suis toujours fascinée par les auteurs qui disent « Oh, à l'instant où j'ai commencé à l'écrire, j'ai vu qu'elle avait des petites rides au coin des yeux. » Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, j'aime bien avoir une aide visuelle. Et souvent, c'est pour ça, c'est une petite anecdote, mais l'aide visuelle, c'est ce qui va me tomber sous la main ou sous les yeux au moment de l'écriture. Mmh. Et en l'occurrence, à l'époque, j'étais allée voir l'exposition sur le vampire à la Cinémathèque. C'était du temps où il y avait encore des expositions. Et j'étais tombée sur ces images de Teda Barra que je trouve géniales parce qu'elle pose toujours avec un squelette ou un corbeau et du coup elle a ce visage comme ça très sombre. Un peu gothique et elle fonctionnait très bien par opposition aux trois sœurs. Donc ça c'était juste pour le côté visuel et après sinon justement, donc comme je disais, quand je construis mes personnages c'est par rapport à des actions ou des idées et Sadima elle est un peu orageuse, elle a des colères, elle a des moments de colère, mais qui sont des moments de colère justes, que je trouvais intéressants, qui lui permettent de se rebeller. Et puis sinon, elle est dans une histoire d'amour où, au départ, il y a un rapport de force et elle est en position inférieure. Et je voulais qu'elle prenne peu à peu le pouvoir. Et donc elle chasse, par exemple, ce qui va permettre ensuite de tisser la métaphore de la chasse et elle va prendre le lord dans ses filets. Et puis elle a aussi... Alors c'est très discret, mais c'était un roman qui parlait aussi de sensualité et l'idée c'était de lui donner ponctuellement, elle a des attributs très discrètement phalliques en fait. Mmh. Elle est parfois dominante dans ce sens-là. Mmh. On n'en dira pas plus, mais on va lire un passage. On va écouter un passage qui se passe assez tôt dans le roman pour ne pas en dévoiler trop d'aspects. C'est une scène qui se passe la veille du premier soir, donc les sœurs Watkins et Sadima sont arrivées au château pour passer le fameux test. Elles se réunissent dans la chambre de Margaret parce qu'elles supposent que dans cette fameuse chambre, un petit passage secret permettrait sans doute au Lord Anderson de les rejoindre pendant la nuit. Et là, du coup, il y a un petit vent de panique à se dire « Mais qu'est-ce qui peut se passer et comment ça se passe, justement ?» Donc, la question anime le petit comité féminin. Ce fut finalement May, avec son ingénuité habituelle, qui secoua tous les non-dits. « Dites-moi, j'aimerais savoir... « Comment est-ce qu'on fait ça ?» Les sœurs ne surent que répondre. Margaret fit la somme de ses connaissances sur le sujet des relations entre hommes et femmes. Elle partit de la base. Il fallait d'abord se laisser courtiser, échanger en cachette quelques mots doux, puis une mèche de cheveux, et enfin autoriser l'homme à vous appeler par votre prénom. Venez ensuite la déclaration, l'autorisation des parents, le délai de 3 semaines pour publier les bans, la signature du contrat, la constitution de la dot et du trousseau, la cérémonie. Et après ? Pendant la nuit de noces, que se passe-t-il ? Demanda May. Margaret dut avouer qu'elle ne connaissait rien à la suite des opérations. Et pour cause, il n'était pas de secret mieux gardé. Leur maman avait pris soin de désherber la bibliothèque familiale pour qu'aucune balade amoureuse ne leur tombe entre les mains. Elles couvraient leurs oreilles quand le palefrenier parlait de faire monter la jument par l'étalon du voisin. Une vraie jeune fille bien élevée passait la porte de la chambre nuptiale sans même soupçonner le début des manœuvres. Hé, certes, pourquoi donc les déniaiser ? Rien de plus charmant pour un époux que les candides effarements d'une vierge. Entre eux, les hommes aimaient se conter leurs anecdotes de nuit de noces. Des histoires cocasses circulaient dans les cercles masculins. Celle qui avait tenté de s'enfuir à moitié dévêtue. Celle qui avait craint d'être malade lorsqu'elle avait découvert son plaisir. Celle qui avait appelé les domestiques à l'aide, croyant son mari tombé en syncope. Avec bonne volonté, Maria émit des hypothèses. Elle avait surpris des animaux.
Elle suggéra que la femme devait se mettre à quatre pattes, sur le matelas, et attendre. Comme ses sœurs s'étonnaient de cette posture disgracieuse, elle ajouta, magnanime, « Mais je pense qu'on peut garder sa chemise de nuit. »« J'ai une idée, » demanda May. « Demandons à Sadima. » Margaret et Maria applaudirent. Nul doute que la femme de chambre serait mieux au fait sur cette question. Sadima fut tantôt convoquée. Elles lui exposèrent bien franchement leurs problèmes. « Et comment donc en saurais-je plus que vous ?» s'exclama Sadima. « Je ne suis pas mariée. J'ai exactement l'âge de May, comme vous savez. » May et Sadima avaient été sœurs de lait. « Mais enfin, Sadima, tu vois ce que nous voulons dire. » Elle voulait dire que, si elles avaient été nourries au même sein, elles n'avaient pas grandi dans le même monde. Sadima venait d'un milieu plus complaisant, où l'on se permettait certaines expérimentations. Sadima retint une petite expiration agacée. « Voilà ce que je peux vous répondre. Oui, je croise souvent des cochers et des garçons d'écurie. Et eux ne se comportent pas toujours en gentlemen. Ils se permettent des paroles directes et des gestes déplacés. J'en ai fait les frais. Chaque fois, ces jeunes gens ont été récompensés par mon poing dans leur figure. Voilà, pour l'heure, tout ce que je sais. » C'est un passage qui nous fait entendre le tempérament de Sadima, et ça va être vraiment un roman porté par sa fougue, par son énergie. On parle des points qu'elle peut mettre dans la figure. Elle va user un petit peu de ses charmes, hein, Sadima, mais toujours pour arriver à ses pains. Elle est très, très manipulatrice et très habile, et bien plus forte finalement que les hommes qui la convoitent. Ces points qu'évoque ce passage me permettent de passer à d'autres points, ces points de ponctuation, petite transition. Pour aborder avec vous, donc l'un des aspects très très forts de ce roman, c'est la manière avec laquelle vous abordez la sensualité, le plaisir féminin. Est-ce que c'était vraiment ce sujet-là que vous portiez et que vous aviez envie de déployer, ou est-ce que le contexte du conte, le lit, le drap, vous ont ouvert cette porte-là à vous dire, tiens, ce sujet, c'est l'occasion d'en parler. Ouais, c'est... En fait, les deux se sont imposés assez vite ensemble, puisque le point de départ, c'était... comme je disais, essayer de mettre au jour ces latences du conte, et les latences qui sont celles de la princesse au petit pois, c'est celle du lit, c'est celle de la sensibilité féminine. Donc évidemment, je savais que j'allais vers ça. Ce qui était difficile à savoir, c'était comment j'allais raconter ça et jusqu'où j'irais, en gardant en tête le fait que j'écrivais pour la jeunesse aussi, ce qui ne facilite pas l'équation. Et du coup, je me suis beaucoup mise à réfléchir sur le sujet, lire des choses sur le sujet. Je suis tombée sur... des choses très intéressantes écrites par Maya Mazoret, la journaliste, qui explique par exemple qu'on n'a pas de lexique pour dire l'amour, en fait. Que ce soit les parties du corps ou les actions, on a le choix entre un vocabulaire vulgaire, qui n'était pas celui vers lequel je voulais aller, ou bien un vocabulaire enfantin, là aussi hors de question de tomber là-dedans. Et ensuite, il nous reste uniquement des mots techniques, scientifiques, savants. Et d'ailleurs, la proposition de Maya Mazoret, c'est d'essayer de s'emparer de ces mots scientifiques et de les rendre plus neutres. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'aucune de ces trois solutions ne me satisfaisait, mais une absence de lexique, c'est un challenge stylistique, et j'aime bien ça. Pour un auteur et pour vous en particulier. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt m'emparer de ça, de cette absence de mots. Le roman d'abord joue sur des non-dits, tout court, c'est l'emploi des pronoms indéfinis comme il y avait dans l'extrait que j'ai lu, ou bien justement des blancs, des ellipses, des points de suspension, enfin voilà, les choses ne sont pas dites parce qu'on n'ose pas les dire. Et puis sinon, ce qui était intéressant, c'est de jouer aussi avec l'implicite, de décrire certaines choses par le biais d'images ou de métaphores. Et ça permet aussi du coup, ça a réglé aussi ma question de la jeunesse, c'est-à-dire que étant donné que c'est sous-entendu, je trouve que ça fait aussi un filtre de lecture, et un lecteur qui, quel que soit son âge, c'est pas la question, ne serait pas prêt à comprendre ce qu'il y a derrière, il peut tout à fait, je pense, le lire sans le voir forcément. Donc ça permet ça, ça laisse une marge de manœuvre au lecteur. Ça laisse la place au lecteur de prendre sa propre distance, de trouver propre distance, et en fonction d'où il en est dans sa découverte de la sensualité, il va plus ou moins c'est décoder. L'idée. L'une des petites perles que vous créez pour évoquer ce sujet avec beaucoup de délicatesse, c'est le champ de la ponctuation que vous explorez. Je lis quelques lignes pour que les lecteurs puissent comprendre de quoi il s'agit. Donc, je ne cite pas le moment, mais Sadima est dans un moment d'intimité, je n'en dis pas plus. Sa respiration s'accélère, la houle de son sang martèle un nouveau rythme. Elle l'écoute comme celui des mots qui donnent naissance à des formules. C'est sa magie.
Des petits points et points-virgules pétillent sous ses paupières. Cette ponctuation la saisit. Elle s'accélère, monte, grimpe plus haut que les matelas. Les petits points se suspendent, puis s'épanouissent en corolle jusqu'au point d'exclamation. Un petit peu plus loin, vous écrivez « Elle savait se mener jusqu'au point d'exclamation ». La fois d'après, ouais. C'est ça. Voilà comment vous proposez au lecteur de trouver un nouveau vocabulaire, finalement, une nouvelle ponctuation pour évoquer ce sujet-là avec beaucoup de délicatesse. Et vous allez plus loin, et là de manière encore plus fine et encore moins évidente. Moi, j'ai été saisie à plusieurs reprises de voir comment, à la lecture, à voix haute de votre texte, on est aussi dans cette sensualité. C'est-à-dire que toutes les phrases sont sensuelles, en tout cas certaines sont très sensuelles. Je pense à celle-ci, page 77, cette odeur suie des celliers où on stocke les pommes. Ouais. Vous vous amusez aussi à susurrer et à avoir une sensualité de la langue. Alors, je le fais pas forcément de manière toujours consciente. Par contre, il y avait effectivement cette idée de... Quand j'ai abordé la sensualité, évidemment, elle était présente dans la relation amoureuse, mais j'avais envie qu'elle soit présente aussi dans des tas de petites actions du quotidien. J'ai repensé aussi beaucoup à Colette. J'adore Colette parce qu'elle arrive à raconter, décrire une ceinture ou un brin d'herbe de manière extrêmement tactile et intéressante. Et je voulais faire ça aussi. Donc il est question... de petites choses, d'enfiler une boucle d'oreille ou de goûter tel ou tel truc ou de regarder des pousses qui viennent de surgir au moment du printemps et d'essayer de raconter ça de manière sensuelle aussi. Mais c'est vrai que sur la langue, essayer d'apporter quelque chose. Après, je crois que je l'ai fait de manière parfois presque inconsciente. Mais c'est la musique, du coup, c'est la musique qui parle. Et, les suries, je n'avais pas fait attention à l'assonance. À la littération. À la littération, puisqu'il s'agit de consonnes. C'est des consonnes. mais en revanche, oui, c'est une odeur que j'adore. C'est l'odeur de la terre après la pluie ou du moisi, comme ça. C'est un mot assez rare, suerie, en plus. Suerie est un mot rare. Mmh. Et je me rappelle très bien que ce passage-là, je voulais le rendre... Oui, donc on a envie de le dire à voix haute et de sentir la langue. Tant mieux. Et puis, ce qu'on évoquait un peu plus tôt, c'est-à-dire les palindromes, les anacycliques, ces fameuses phrases qui se lisent dans les deux sens. Donc, le palindrome, on donne l'exemple de « drôle de l'ordre », c'est celui qui revient dans votre texte. Si on lit « drôle de l'ordre » dans un sens et qu'on recommence par la fin... Ça fait encore « drôle de l'ordre ». Ça fait encore « drôle de l'ordre ». Et c'est un « drôle de l'ordre ». Et là, voilà, tout le talent de Flore Visco explose dans la page. Ce « drôle de l'ordre » que l'on caresse dans un sens et dans l'autre, là aussi, c'est une invitation faite au lecteur de manière très subtile d'être dans la sensualité, encore. On va dans un sens et on va dans l'autre. On caresse dans un sens et dans l'autre. C'est bien vu, c'est beau. J'y avais pensé, bien sûr. Tout ça est tout à fait maîtrisé. Un dernier point avant de conclure, c'est l'amusement fou que l'on sent dans votre texte à le truffer de références à d'autres contes. C'est-à-dire qu'on a parlé de la princesse au petit pois, qui est le principal, bien sûr, mais les lecteurs vont s'amuser à en débusquer d'autres. Il y en a plein. Alors, j'ai relevé, moi, quelques-uns, mais Cendrillon, Alice, le petit chaperon rouge, il y en a d'autres. Je voudrais lire ce petit passage avec celui de Barbe Bleue, parce que là, vous allez encore plus loin dans l'amusement, puisque vous en jouez. On est page 70. Le Lord Anderson s'adresse à Sadima et il lui dit « Je vous laisse la clé du château. » Il se pencha vers elle. « Elle ouvre toutes les portes, dit-il, sauf la petite pièce en bas dans les sous-sols. Celle-ci, vous ne devez jamais y pénétrer, sous peine d'un terrible châtiment. » Sadima ouvrit de grands yeux. Lord Anderson éclata de rire. « Ah, oh, je plaisante, bien sûr. Oh, si vous aviez vu votre tête, la clé ouvre toutes les portes, y compris la petite pièce dans les sous-sols. On y garde le vin. » Sur ce, il la salua et disparut à l'étage. Là, vous vous amusez doublement. C'est-à-dire que vous faites la référence et vous la déconstruisez. Et puis, en plus, il y a quelque chose dans la petite pièce au fond de la cave. On ne dira pas quoi, mais donc, en plus, ça marche dans tous les sens, effectivement. Ça, c'est rigolo. Les petites références au conte, j'aime bien en mettre plein. Et elles sont venues assez naturellement au moment de l'écriture. Et elles marchaient très, très bien. Même il y en a une dernière avec le petit chaperon rouge qui fonctionne aussi. Enfin, donc oui, je me suis beaucoup amusée avec ça. J'aime bien cette idée que si je me fais à moi-même des clins d'œil pendant l'écriture, ça va marcher et les lecteurs le recevront aussi. Je ne réfléchis pas trop à est-ce que c'est visible ou est-ce que ça ne l'est pas. Je l'ai fait et souvent, j'ai vraiment rencontré des lecteurs qui les avaient totalement perçus et qui me disaient « Ah, mais là !» Et j'étais genre « Ouais !» À vous de vous amuser. Dernier point, on conclut. Ah, il y a une question. Alors, on prend la question. Oui. J'ai demandé
J'ai le micro qui redémarre. Oui. Voilà, on m'entend. On m'entend. Donc, on a une question pour toi, Flore, sur la, okay. Par rapport à la sensualité. Ah. Est-ce qu'à la publication du livre, ça a posé problème par rapport à la loi sur les publications destinées à la jeunesse, même si, j'imagine, nous dit Lucille, que le texte n'est pas pornographique, la question du sexe est toujours délicate en jeunesse. Oui, alors, donc non, le roman n'est pas pornographique, c'est certain, ne serait-ce que parce que, avec ce que j'avais expliqué de cette histoire de lexique, c'est un roman sans le moindre mot, par exemple. Donc tout est suggéré. Après, je pense qu'effectivement, il y a des suggestions qui sautent aux yeux. Enfin, à un moment aussi, quand même, on comprend ce qu'il se passe dans le lit et après, la publication, c'est plutôt une question pour un éditeur, non ? Est-ce que... Ah, moi, à la lecture, évidemment, tout est en délicatesse et en subtilité. Je ne vois pas, absolument pas à quel moment ça pourrait poser problème. C'est une invitation littéraire, poétique, mais très sensuelle, parce que c'est la littérature qui fait la sensualité. Mmh. Et vous allez vous explorer ça avec des images qui sont très fortes. Et comme vous le disiez d'emblée, tout est assez... dosé et en place pour que le lecteur, en fonction de son âge et de sa maturité par rapport à ces questions-là, puisse investir ce champ-là et s'y projeter ou non. Mais voilà, j'ai aucune inquiétude sur quelconque... Moi non plus, puis pour le coup, on a une bonne chaîne du livre pour ça. Enfin, moi, quand j'ai écrit l'histoire, je me suis vraiment dit, j'y mets ce que l'histoire nécessite, en fait. Donc, s'il y a besoin de scènes explicites, je les mettrai parce que l'histoire le demande. Et il se trouve qu'en travaillant sur ce côté lexical, je suis passée vraiment par des circonvolutions, à ne jamais dire les choses telles qu'elles étaient, même si à un moment, quand même, on finit par comprendre. Et au final, je me suis dit, ben, c'est bien. Après, moi, je donne le livre à une éditrice. Et là rentre le travail de la chaîne du livre. Où on va aussi avoir plein de prescripteurs auxquels je fais toute confiance parce que ben, ça y est, ça fait quelques romans maintenant que je fais. Et je trouve qu'on a des libraires, bibliothécaires, professeurs qui font un travail, blogueurs, qui font un travail extrêmement précis pour ça et qui savent à qui destiner ce genre de livre. Donc là, je vous le laisse, je vous le confie, le livre. Vous allez très bien savoir à qui il faut le faire lire. On termine sur cette signature de Frankenstein. Vous signez vos remerciements, le docteur Frankenstein, et vous barrez, Flore Vesco. Pourquoi ce docteur Frankenstein ? Est-ce que finalement... un peu le docteur Frankenstein. Mais est-ce que tous les auteurs et toutes les autrices ne sont pas un peu Frankenstein ? Complètement. Mais donc là aussi, bon, sans spoiler, on découvrira, mais il y est question de petits morceaux de corps. D'organes disséminés. Et donc, du coup, j'avais fait des remerciements qui étaient, je remercie l'œil vif de mon éditrice et le bouche à oreille des libraires et autres, voilà, petits morceaux de corps. Et donc, je signe Frankenstein parce que j'espère qu'en cousant tous ces bouts ensemble, ça forme un tout. Mais c'est vrai que moi, ça ressemble à la manière dont j'écris, clairement. Je bâtis un plan très précis, mais je connais la fin, je connais souvent le début, du coup, je raccroche des milieux. Et j'espère qu'à un moment, en ayant cousu tout ça ensemble, en ayant mis un peu de Jane Austen, un peu de fantastique, un peu de conte, et en ayant tout cousu ensemble, ça ressemble à quelque chose qui n'est pas trop difforme et pas trop disparate. Donc, j'espère que je fais un bon docteur Frankenstein. je vous le confirme. En tout cas, tout ça se lit et prend forme dans votre langue aussi. Et c'est votre liant à vous. Donc, cette magie opère du début à la fin. C'est savoureux, c'est sensuel, c'est troublant, c'est magique, c'est assez drôle aussi. C'est d'or et d'oreiller. Vous ne pourrez pas vous endormir avant d'avoir rabattu la couverture. C'est bien ça, il fallait qu'on le mette. Il fallait qu'on le mette. D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Vous aurez senti notre enthousiasme. Merci Flore Vesco. Merci.